Voilà, et là c'est bon. Donc tu me disais, à partir de la PlayStation 4, si ta console est pas connectée à Internet, il n'y a pas de réactualisation de trouver, et même si tu fais l'action, elle est considérée comme nulle, donc faut que ta console soit connectée au moment de la réalisation et de la configuration du trophée. Ah oui, bah c'est génial. Pour ceux qui sont en pleine cambrousse et qui n'ont pas internet, ils l'ont dans le cul. Ok, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve cette mentalité du tout connecté, parce que c'est une fausse bonne idée. C'est comme la technologie nuagique. Quand vous avez le cloud, en anglicisme là. Alors, c'est bien quand ça marche, mais quand ça tombe en panne, je vous dis pas la barésina. Oui, ça valide. Ouais, la PS3 même, c'était pas connecté. Ouais, bah ouais. Bah tu vois, rien que sur ce genre d'argument, je suis pas pressé Message d'acheter de une FunFan 4005. 1992. Pardon. Ce que j'aime bien avec la PS3, c'est que Internet, c'est un confort et non mais une obligation. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oh, pardon. Oui. Ah, victime de la bombe, tu disais. Alors, dans ma carrière, j'en étais où? Ah, pas mal! On s'approche du sommet de la pyramide. Espagne, circuit de crossover. Je sais pas, je vais essayer. Je sais pas ce que ça vaut. Oui, club. Je sais même plus comment je jouais. Je sais plus. Hop, je vais prendre L. Je sais pas, on va tester. Après, je serais tenté de faire un peu de rallye. C'est-à-dire que je vais sortir du championnat et on va refaire les belles étapes de rallye parce qu'elles sont magnifiques. Je sais que le Royaume-Uni, j'aime bien. Pardon. Mais ici, une heure et demie, on basculera sur Minecraft, j'ouvrirai la vocale, on bavardera peinard jusqu'au tableau de mystère, ce sera bien. Merde, comment ça marche? Ah, comme ça. Oui, donc voilà, le frein est là. Oh là là. C'est spécial, faut aimer. Ah. Oh là là, j'ai fait de la mouise. On se le dise. Pardon. Je fais de la merde. Mais je pilote super mal. C'est une catastrophe. J'ai quasiment pas freiné.
Voyons. Ça ne s'est pas bien passé, hein. Ah oui, non, mais j'ai fait de la mouise. Là, j'ai honte, là. Là, je suis conspué par le public, là. Je zappe tellement que j'ai honte. Recommencer. Même pas. Non, j'ai vraiment envie de faire un rallye. J'ai vraiment envie de faire un rallye. Ah, oh, petit G d'étage G4. Sympa. Je pourrais même plus dire si la Ginetta c'est français ou si c'est italien. Je sais plus. Non, j'ai déverrouillé un truc avec ma piètre performance. Eh ben dis donc. Incroyable mais vrai. Ça y est, j'ai la manette qui déconne. Alors ça en pilotage, c'est un cauchemar. Pourquoi elle est décalibrée ma manette? Pourquoi? Quand même dingue. Rally Raid T1. Ah, peut-être intéressant ça. Ah, je cède à l'envie. C'est renversant. Sacré fun fan. Tu t'amuses à mettre les caractères à l'envers. Alors je vois dans mon logiciel de... de chat. Par contre, je sais pas comment à l'écran il va l'interpréter. Tes caractères renversés. Je suis chez Bran. Oh le foufou. Merde. Oh, décidément, j'ai des réflexes d'un autre simulateur. Oui, voilà, je vais pas arrêter de bailler comme un vilain. Message parce que de FunFan 1992. J'écris à l'envers avec un mot verlan. Faut le faire. Oui, tu m'étonnes. Mais. Pardon, je vais pas cesser de bailler parce que je me détends en fait. J'ai un lâcher prise sur le. Voilà, les soucis du quotidien pour faire ça. Ça fait du bien. Donc la détente est telle que je ronfle. Je ronfle. Ah, ça c'est après. Je baille. Et ça, je vais vous le faire pendant l'heure qui suit. Hein. Je suis navré. Je m'en cache même pas parce que c'est imparable chez moi. La 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 la. Putain, ça me fait bizarre de voir le nom Almeida dans les pilotes. Parce que j'ai eu un copain d'enfance. C'était Bruno Almeida. Portugais francisé, ou plutôt français d'origine portugaise, un mec adorable, qui m'avait d'ailleurs fait un coucou il y a quelques années. Je me demande s'il m'avait pas fait un coucou d'ailleurs pendant la pandémie, lors du premier confinement. Ça m'a fait bien plaisir d'avoir de ses nouvelles, c'est cool. Message de FunFan 1992, SI. Eh ben. Ah, dérapage incontrôlé. C'est foutu pour moi. Dommage. J'étais en tête de la course, mais là... Oula.
Sylvain Didier. Oh. Aïe, mais arrêtez de me percuter, les gars. Je suis du hors-piste, ça va pas. Tiens, en parlant de hors-piste, je suis en train de me dire, dans le monde du jeu vidéo, ça existe les simulateurs de ski? Quand tu fais du ski, mais du slalom ou du... Ça existe ou pas? J'ai pas l'impression qu'en vue comme ça, tu sais, tu clac clac clac. Ça me dit rien. Ouais, elle arrive pas à lire à l'envers. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Comment ça, tâche ménagère? Ah, dans le jeu de Minecraft, j'ai fini mes tâches ménagères, je jouerai un peu avec toi. Oui, merci, à tout à l'heure, bon courage, Nayone, pour les tâches ménagères. Oh, moi, j'en ai moult. Non, je sais pas quand je démarrais le lavage de mes propres carreaux. Oh non, mais ça va être sport. Je vais peut-être attendre que les jours s'allongent un peu, là, vers le 21 juin, le solstice d'été. Plutôt attendre la deuxième quinzaine de mai pour laver mes carreaux, moi. Ah, la vache. Alors, attends, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu fais comme moi, tu utilises la PS3 pour tes jeux PS1? Bah oui et non. En fait, je peux très bien utiliser ma PS2 aussi. Le problème de la PS3 quand elle émule un jeu PS1, c'est qu'elle le bride pas. C'est-à-dire qu'elle le lit trop vite. Donc moi, j'ai un jeu de rallye de la PS1, dont mon favori qu'on fera bientôt au Royaume-Uni. La PS3 le lit trop vite, donc c'est injouable. Du coup, je suis obligé de passer sur la PS2 pour pouvoir y jouer. Mais je comprenais pas pourquoi j'avais une erreur de carte la dernière fois, je suis deg. Le peu que j'ai essayé de m'y repencher, ça a pas marché. Mais bon, j'en reverrai. Parce que mon jeu, il me manque. J'ai envie de le refaire, ce jeu de rallye-là, il est magnifique. J'aimerais en faire un classique annuel, comme toi tu fais Grim Fandango une fois par an. Moi, j'aimerais faire mon Mobile One Rally une fois par an. Et chaque année, avec un véhicule différent. Oui, je sais pas si j'ai le droit de continuer ou pas. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Chargement? Ah oui. Je repense au bug qu'a eu Pipoupat dans The Forest avec Bastos. Le final où il a la gosse dans les bras. Oh, c'était drôle. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que ce bug-là, c'est énorme, quoi. L'absence d'animation. Mais en fait, comme c'est une petite scène, quand l'un des héros a la gamine, je pense qu'ils ont négligé le développement de l'animation. C'est très con. Aïe aïe aïe. Oula. Viril, là. Je claque des bises là. Oh non, mais non. Ah merdoum. Ah. Ils m'ont caché la chicane, bande de vilains. Tiens, d'ailleurs, je repense à ce qu'on parlait hier, Fun, là, le coup de quiz kit. Que moi, je prépare mon quiz de 50 questions déjà pour anticiper le 10e anniversaire de la chaîne. Bientôt dans mes fichiers que je vous offre dans le Discord, je vous mettrai ma propre grille que je suis en train d'établir en tableur pour, oh merde, pour préparer un quiz sous quiz kit, un truc bien propre.
Et je vous mettrai une grille vierge à disposition prochainement. Comme ça, pour ceux qui aiment bien utiliser l'extension QuizKit avec Twitch, vous pourrez facilement faire vos jeux de questions-réponses. Et ça, cette activité-là, il y a Cadeau Anthony qui aime bien en faire régulièrement. Il essaye d'en faire un tous les jeudis sur sa chaîne de 19h à 20h. Là, j'ai pu en participer à je sais plus quel quiz il n'y a pas si longtemps que ça, qui était balèze en culture générale. Oula. C'est génial, quoi. Je suis encore deuxième, décidément. Ah, mais la course c'est pas fini. Ah, merde. Parce que je voyais un chrono, je croyais que c'était la fin de la course. Moi, j'ai lâché le volant. Oh, le con. Oula, 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 oula. Oh là là là. Quand je vois Colin McRae, hein, comme c'est les jeux, enfin la série de jeux à son effigie de rallye, le grand pilote, ça me fait mal au trip parce que souvenez-vous, il est décédé dans un accident d'hélicoptère. Mais horrible parce qu'il faisait une promenade avec un ami et leur fiston respectif, et tous les quatre ont embarqué dans un hélicoptère et crash, l'horreur. Dur, quoi. Dur, dur, dur. Aïe, 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 aïe. Sacré fun fan. Essaye de titiller. Westboot, peut-être que l'intelligence artificielle va te répondre. On va voir s'il fait son intelligent ou son bébête. Ah oui, il fait son bébête. Ouais, c'est vrai que c'était bluffant hier dans l'épisode commenté de Sang Froid là. Quand je lui avais bien posé la problématique de la mine poursuivie par un robot tueur et qu'il a dit et je sais pas, essaye d'utiliser les chariots de course pour ralentir le robot tueur. C'est waouh. C'est ça, faut qu'il recherche son intelligence artificielle. Ah là 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 là. Bon bah c'est très viril comme course, mais c'est bien, j'arrive à rester sur le podium à chaque fois, à chaque manche. C'est bien, c'est bon signe. Et bip. Attends, il y a la séquence où j'ai bêtement tiré tout droit croyant que c'était la fin de la course. Je crois que c'est là. Oui, je crois que c'est là. Ce mouvement n'est pas autorisé. Aïe aïe aïe. Ah, le Fabrizio Duccio, là, il faut que je le rattrape. Enfin, si je peux, je sais pas si j'ai droit à une autre manche. Il faut rattraper le Fabrizio. Ah non, c'est fini. Ah non, parc d'assistance. Oui, mais elle est pas bousillée, ma bagnole. Réparation des dégâts, elle est bousillée, ma bagnole. Mais non, les dégâts comptent pas. Ça va, tranquille. Oui, bah fais-moi la suite.
Et après, on fait un petit peu de rallye. J'aimerais bien refaire le rallye de Grande-Bretagne, parce qu'il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, qu'il est beau à bas. Merde. Ah, je me suis trompé de touche. Salopard qui m'a dégommé. Le tracé me dit quelque chose. On n'est pas à Brand Hatch. J'ai pas regardé quel tracé était annoncé, mais ça m'a fait penser à Brand Hatch au Royaume-Uni, justement. À la fois un tracé de Grand Tourisme et de Rallycross, effectivement, en son centre. Ça me fait l'effet là. Oula, comment qu'il s'est déporté lui? Ouch. Oh là 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 là, n'importe quoi. Je suis parti en dérapage incontrôlé. C'est le boxon. Je fais n'importe. Oh merde! Oh la vache, le crash! Mais non, mais bouge! Ah! C'est horrible, je ne sais plus piloter. Oh! Bah alors, comment qu'il a raccroché, qu'il a stoppé net? Vous, Dudu? Ah! Maîtrise pas mon bolide, c'est pas bien. Oh là là, les débris sur la piste, c'est n'importe quoi. Là, mon résultat va être catastrophique. Je vais être 6ème sur 8. Du coup, je crois que c'est Colin McRae qui gagne, là. Oh là là, le boxon. Oh, ça me mange dans l'arrière. Au niveau de mon dos, de mon épaule. Excusez-moi, j'ai une démangeaison. On va te faire comme un ours qui se frotte à un arbre. Oh là là, le boxon. Mais qu'ai-je fait?
Oh là là. Ouah. Ah ouais. N'importe quoi, moi. Alors ça, c'était le début du deuxième tour sur les quatre. Ah. Excusez-moi, décidément. Ah, honneur au tien, Christella, merci. Aïe, aïe, aïe. Oh, les débris. Oi, oi, oi. Oh, l'état de mon bolide. Non, tu m'étonnes, avec toutes mes âneries. Ah non, là, je méritais plus de finir sur le podium, là. J'ai fait nimp. Oi, 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 oi. Ah ouais, non, mais c'est moche. On voit que j'ai pas piloté depuis un petit bout de temps. J'ai perdu mes réflexes, mes repères. C'est triste. Faut que je les retrouve, et vite. Eh bé. Oh là 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 là. Le bolide est méconnaissable. Mais qu'est-ce que je fais là? Hein? J'ai... Ouh! J'ai 90% de dégâts de carrosserie, là. Eh bé. Je sais plus, oui, je peux changer de caméra. Parce que là, on regarde toujours en mode télé, mais. Tu peux voir la vue arrière? Waouh! Et ça, c'était l'arrivée, je crois. Ouais, c'était l'arrivée. Eh ben, dis donc. Ah oui, là, je décroche, là. Ah non, c'est pas Colin McRae. Okay. Ah oui, si, l'étape là, oui, pardon. Non, finale. Comment ça, c'est Fabrizio qui est... Même Colin McRae, il est ex aequo avec moi. J'y comprends plus rien. Il est piche plus rien. Bon. Étape suivante, je présume, ou je reviens au menu? Ah non, c'est fini. Je reviens au menu. Bon, bah j'ai marqué 5 points, c'est bien. Oh là là! Je déverrouille la suite de la carrière! Mais ce sera une autre fois. Je veux faire mon rallye de Grande-Bretagne. Le rallye de Grande-Bretagne. C'est où? C'est là, rallye mondial. Alors attends, discipline. Rallye Red, j'aime bien aussi. Attends, c'est sûr que c'est comme ça, toi? Mais non, mais non. Non, attends. Véhicule, machin, super. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, bah c'est championnat. Reprendre oui. Oui. J'étais au Royaume-Uni, visiblement. J'en étais où? Je ne sais pas. Bon. Oui, bah je veux bien. Allez, zou. Bon, bah mon idée, elle est là. Je savais même pas que j'étais en cours de championnat au Royaume-Uni. Donc c'est cool. Ça correspond à ce que je souhaite. J'ai quelques bribes de souvenirs de beaux passages d'étapes au Royaume-Uni, mais je vais faire de la mouise.
32% la carrière seulement. Oh là là. Ce jeu. Oh, une petite Peugeot. C'est la Peugeot que t'as décoté tout à l'heure. Merde. La caméra est pas la bonne. Si. Ah si, c'est la, c'est le capot. D'accord, j'ai rien dit. J'ai cru que c'était la vue de toi et je devenais fou là. Ça y est, ça m'a perturbé. Je suis foutu. Oulala. Ça m'a grave perturbé. Oula, attention aux bûches au bord de la piste. Campagne anglaise, elle est mortelle. Ah. Ah, attention les sapins, ça sent le sapin. C'est beau. Merdoum. Oh là là, mais qu'est-ce que. Oh bah tiens, j'ai perdu mes essuie-glaces. Dans le choc. Ah merdoum. Attends, mais là, oula, oula, là, oula, là, je suis parti à travers champ. Tu m'étonnes que j'ai 10 secondes de retard, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi avec la petite Peugeot. Oui, 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 le sapin là, j'allais le déguster. Oh, les jolies fougères. Où est la route? Elle est là. Ah, ça sent que ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait de rallye. C'est pas joli, joli là ce que je vous fais. Je suis plus du tout dans le coup. Poteau. Oh, où le poteau, je... Ah bah voilà. Je me suis awaché une roue. Étape 1 de 7. Ah bah j'avais programmé initialement mon rallye de Grande-Bretagne. On n'a rien vu, on recommence. J'ai fait de la merde. La jolie campagne anglaise. Profitons. Oula, et au démarre. Drop
pique dans ton cœur. Change pas le moteur. Ton pique dans ton cœur. Change pas le moteur. Ah bah tiens, du coup je suis premier. Merde. Non, mais non. Bon, je vais y arriver, bordeloum. Crotoum. Si je bousille la Peugeot, c'est pas la peine. 60, droite 5, vers gauche 3, les droites 3. Papa, papa, y'a pas, y'a pas peu. 60, crête, vers gauche 3. C'est un air de jeu vidéo, ça, c'est de quoi? La 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 Oh, je pourrais plus dire c'est dans quel jeu on a l'air là. Il me semble pourtant si familier. On dirait presque du Vangelis. Mais c'est pas ça. Encore que. Ah, je confonds peut-être le répertoire de Vangelis avec un musique de jeu vidéo. Je ne sais plus. Je suis troublé. Ah, peut-être que je me plante. Et c'est peut-être bien du répertoire de Vangelis, en fait, que je chantonne. Bref. Tellement de chefs-d'œuvre musicaux. Oh. Des douceurs pour nos cages à miel, comme pourrait dire Poupon. Tiens, Poupon, je vous ferai le chaîne hein, ce soir. Comme il continue ses Lego avec la DeLorean, là. Ça va être bien. Papa pa piripou pi piripou parapou. Ah. C'est le petit cottage. Le petit cottage anglais. Mais d'ailleurs, c'est pas Edge Club qui m'avait dit que cottage, c'est un faux ami. On a tort de dire cottage pour traduire justement cottage en anglais, enfin de l'anglais. Et ça désigne pas exactement la même chose. C'est bien des lotissements, des baraques. Mais pas du gabarit souhaité. Je crois qu'en français on dit cottage pour un petit village anglais, alors que cottage en anglais ça veut dire une grosse propriété du genre une ferme, la partie habitation plus la grange, plus je sais pas quoi. Oh, je suis vainqueur de cette étape. Comme quoi persévérer ça paie. Ouais, regardons le ralenti avec joie. Et ça me fait une pause de 5 minutes, je crois. Et encore, je sais plus, il y a une limitation de ralenti dans la mémoire de la PlayStation 3. Je pense pas que je verrai mon étape jusqu'au bout en version télé, mais bon. C'est pas grave.
Je sais plus. Chaque Gran Turismo, c'est limité à 45 minutes. Aussi bien le 3 que le 4ème opus, on est limité à 45 minutes de ralenti. Ce qui est déjà énorme. C'est déjà enfin, énorme. Ce qui est bien. Je suis amateur de courses d'endurance en Gran Turismo. Mais, ouais. Bah, je suis un peu tristounet. Enfin, faut faire attention au compteur de vue qui est relativement gadget et hasardeux. Mais je vois que vous êtes théoriquement que deux spectateurs à me suivre. Merci à vous d'être là. Je pense que FunFan il le fait par devoir. Mais t'es libre, hein, tu sais. Hein. On en a déjà discuté plusieurs fois. Bref, je vois que ça vous passionne pas le rallye. Mais bon, voilà, chacun ses petits plaisirs. C'est bien. Bon, aussi, hein, qui dit ralenti dit que je me relaxe et que j'ai les yeux rivés sur mon chat. Message de FunFan1992. De boire et dévotion, je troll. C'est ça. Voilà, j'ai plaisir à vous lire dans le chat, donc... On pourrait presque faire un échauffement à la discussion quand je vais ouvrir la vocale dans un peu moins d'une heure sous Minecraft. Qu'on fasse les foufous. Enfin, qu'on se détende. L'idée de faire les foufous. Par extension. Aïe aïe aïe. T'es beau. Je me régale toujours de. Et c'est la PlayStation 3. Hein. Moi, je dis ça, on jette. Hein. On s'y croirait. Mais je vous l'avais déjà dit, hein, vous me reprenez un ralenti comme ça du jeu là, du simulateur, et vous me placardez un logo Eurosport, là, vous savez, des grandes chaînes de sport, ou laquelle sur la TNT, c'est l'équipe 21. Je me ferai avoir. Hein. Je suis sûr que je me ferai avoir. Hein. Je pourrais croire que c'est vraiment la réalité. Hein. C'est d'un réalisme, c'est incroyable. Ah, j'ai fait le foufou dans la campagne anglaise. Oh, les chardons. On envoie des chardons. Alors, regarde pas les jeux de course PS4, PS5. Ouais, c'est encore plus réaliste. Ça va me rendre fou. Ça va me rendre tout fou. Oh là là. Il est vicieux le pont. On dirait pas comme ça, mais le pont de pierre, il est... Tu te loupes, tu te percutes la tranche du pont, t'es mort. T'as plus de bagnole. Ah si, finalement, on aura l'étape en intégralité. Oh la cloche. Oh. Trop bien. Trop bien joué. Ah oui. Oh lol. Oh, record personnel. 3,38. Alors que j'ai fait 3,44 là. Et le record du monde en 3,08. Wouah. Wouah. 3,08. Wouah. Oh mazette. Le pilote qui arrive à faire ça. Brr. J'ai rien vu. La 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 la. C'est sympa hein, aussi le coup des statistiques au chargement. C'est très malin. Très très malin pour un simulateur. Il y a du génie. Oh, j'ai déjà fait 2 tonneaux. Merde. Ah, mon dieu. Oui, c'est un talbo. C'est parti. Ah, attention, il y a un effet de pénombre. Là, c'est le début du crépuscule. C'est piégeux. Iii. Ah, je perds le contrôle du véhicule. Panic on board. Aïe, 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 aïe. Ne va pas dans le fossé, malheureuse. Stop, 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 stop. Ah, j'ai du mal à freiner avec. Hein.
Je sais pas si j'ai mis des pneus gravier. J'ai mis la config par défaut. Alors, en général, la config par défaut est la bonne. J'ai fallu voir en contrebas d'un peu plus près. Donc... Attention, attention. Ah, oh, oh oui, il y a les chicanes vicieuses. Doucement. Ah. Freinage, attention aux chicanes. Mais hé, d'ailleurs, merde, je suis n'importe quoi. Là, on fait stricto sensu un rallye automobile, c'est-à-dire, hein, vous voyez, aller du point A au point B le plus rapidement possible. Mais ça se fait encore, les rallyes, qu'on appelle ça, les rallyes pas intellectuels, les rallyes culture générale. C'est-à-dire que c'est un peu la chasse au trésor, vous êtes en bagnole, vous êtes plusieurs équipages, et en fait, vous devez signer des points de contrôle, mais dans des patelins de la région, en ayant mené votre enquête façon carte au trésor. Moi, j'ai connu ça une fois avec mes parents quand j'étais gamin. Ma maman, elle adorait ça. On y allait en deux chevaux. Et ça se fait plus, tiens. Faudra que je demande ça à mes copains qui sont parfois d'un plus grand âge que moi. Ils ont dû connaître cette activité. C'est dommage que ça se fasse plus. J'ai failli me planter d'intersection. Oh là, doucement, doucement, doucement. Au final, je freine tellement brutalement avec la Peugeot que je finis par la... Je la ferai caler, tu sais, en marquant l'arrêt. Mais je suis jamais fait. La 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 la. Je me suis fait peur. C'est vrai ça, je me vois gosse. Je devais avoir une dizaine d'années. Tiens, il faut que je mémorise ce sujet là et que je le réaborde avec ma maman. Si elle s'en souvient. Et gauche 4 et gauche 6 continue sur 300. Et gauche 4 à deux poteaux et droite 5. C'est plus sinueux qu'il n'y paraît. J'ai failli perdre le contrôle de mon bolide. Oh, j'ai encore fait un bon chrono. C'est ça qui est beau. Ouais. Ah, je suis content. Puis là, du premier coup. Classe. Ça y est, je suis lancé. Ah, oh, c'est bon. Mais je suis fait peur. Hein. J'ai eu 2-3 passages de l'étape. Je les ai eu là. Hein. J'ai cru que j'allais perdre le contrôle de mon bolide. C'en est fallu de peu. Hic. Je suis en train de réfléchir au trophée de Final Fantasy qu'on a vu tout à l'heure.
J'en ai plein de verrouillés là. Il y avait, vous savez, les spécialités guérisseur, défenseur, ravageur, etc. Là, vous savez, les statuts, les stratégies. Je pensais que j'avais développé à fond dans mes personnages, mais visiblement non, puisque j'ai pas le trophée. Ou alors il faut le faire pour tous les personnages. C'est complètement abusé. Enfin bref, Final Fantasy. J'ai envie de dire. Non, je pense qu'il y a moyen de débrouiller les trophées, en fait, quand on joue à fond en boucle. Vous savez, dans la grande plaine que j'avais faite, on y joue à fond en boucle avant d'affronter le boss, le vrai boss, là, le pape, le Dandandelos. Mais c'est infini, quoi. Donc je garde précieusement ma sauvegarde. Et peut-être que de temps en temps, je sais pas si je vous le ferai à l'antenne, ou peut-être des enregistrements juste direct pour YouTube, pour ceux qui veulent du bonus. Ce qu'on appelle en anglais farming. Enfin, encore que c'est peut-être pas le bon terme. Parce que c'est l'idée de faire une récolte, le farming. Encore que, moi, ça va être une récolte d'expérience, si je devais me lancer dans l'objectif là. Voilà, j'espère que je vais bien entretenir mon Blu-ray, que je vais le garder très longtemps avec moi en bon état, et éventuellement la PlayStation 3, j'espère que je vais la garder en bon état aussi. Je suis venu même pas me demander, stratégiquement, si j'ai la chance d'avoir 3 exemplaires de la PS2, ce qui me permet de pérenniser, vous l'avez, hein, je vous l'avais déjà expliqué, vous savez, vous faire mes jeux rétro dans les années à venir. La PS3, je n'en ai qu'un seul exemplaire. Il faudra peut-être que je reste attentif éventuellement à m'acheter une deuxième PS3. De case, histoire de me dire j'ai une roue de secours pour pouvoir toujours y jouer. Ah, d'ailleurs, souvenir, il y a quelques mois de ça, je crois que c'était au début de l'hiver dernier, j'étais attristé, mais dans ma rue, il y a un saligo qui s'est débarrassé de sa PlayStation 3 et ça me faisait mal de voir une PS3 éclater contre un mur sur le trottoir. C'était en plus de la pollution gratuite horrible faite. On se demande même si c'était pas le résidu d'un cambriolage. Enfin bon, bref. C'est... Brrr. Vision de cauchemar. Et on l'avait vu, pour ceux qui suivent sur le Discord ce qui se passe, sur le comptoir, la page que je cède à Dragon Sky qu'on salue. Il nous avait fait un questionnaire, enfin une petite devinette. Combien est l'amende pour dépôt de détritus, déchets sur la voie publique? Et c'est 750 euros d'amende. Si vous vous faites pincer, ça rigole zéro. Hein. J'ai envie de dire heureusement, mais. Oh oui! Ah! Je fais même la leçon à Colin McRae. Oh, la classe dans ma petite Peugeot. Ma petite Peugeot de 105. J'ai trop la classe. Je vais me la péter. C'est ça qui est beau. Ah. Je me fais encore 2 petites étapes et puis on bascule sur... j'allais dire Final Fantasy. Sur... Minecraft. Ah. Ah, la voiture, elle est dégueu. Je suis d'accord. Mais... Attends, comment je valide mes réparations, moi? Mais... J'ai pas trouvé la touche. Ouin. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ah, bah ça va, je peux tout réparer, tout laver. Elle va être comme neuve, la tuture. C'est bon. Quoi? Bah oui, mais je validais mon... Bah oui, je confirme. Il est marrant, lui. On est d'accord, ma voiture est réparée. Ah non. Mais. Attends, comment ça marche? Oui, clac-clac pour réparer et... Pour de l'aide, appuyez sur triangle. Oui, mais moi, je veux valider ma réparation, moi, monsieur. Voilà. Là, on est d'accord, j'ai réparé la voiture. Merci. Oh vache, faut suivre. Courir. Voilà, les 2 étapes suivantes, s'il vous plaise. S'il vous plaise. Oh, vitesse maximale. J'ai frôlé les 200 km/h. C'est fou.
C'est fou, fou, fou. Waouh! J'ai fait la France de bout en bout, plus de 1000 bornes. Temps volant, 13h, 7 minutes. Ah bon? J'ai fait que 13h bout à bout? Je trouve que ça fait pas beaucoup. J'aurais dit plus, j'aurais dit le double, moi. Enfin bon. Ah, si le simulateur le dit. 60 droite 6. 60 droite 5 sur crête et gauche 5. Je crois qu'elle est terrible cette épreuve. C'est très vallonné, c'est traître. Tu es en confiance parce que tu es sur l'asphalte, tu vois pas le haut de la colline et pan, un poteau dans la tronche. Ouch. Et ben voilà. Au secours, rendez-moi mon capot. Oh là là, j'ai déjà personnalisé ma tuture. Quelle horreur. Le phare allumé, ça fait peur. Hop, 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 doucement. Je suis un peu trop près des arbres. Un peu plus près des étoiles. Au. Ça va, ça passe. 40 droite 6 et gauche 5. Aïe, 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 aïe. Je perds le contrôle. 5 et droite 2. Et gauche 3. Oh là, oh là, oh là, oh là là, doucement. Oh, il y a de ces boss. 150. Lâche. 60, gauche 5. Non. Ah, je vais arracher ma bagnole, moi, si je tape les rochers. 40, saut vers long gauche 2. Et droite 3. 60, droite 4, gauche 4, droite 4. 40, pont et gauche 4. 80, long crête, saut 60, droite 4, sur crête. 60, gauche 4. Et gauche 5, droite 6 sur saut 80. Arrivée, gauche 6 et droite 6. Wow! Ça s'est joué de peu que je loupe l'étape. Mais je m'en sors pas trop mal, mais j'ai esquinté ma tuture. Là, la pauvre, elle a dégusté. On commence comme ça et on se retrouve avec une compression façon César. Hein. Thank you.
part ça, on nous annonce la météo en Grande-Bretagne, là où le plan de caméra était bizarre. Il est resté un peu trop longtemps figé. Oh, bon, on voit que j'ai encastré la bagnole en son centre. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oh là là, ça me fait mal de voir le bolide dans cet état. J'ai le radiateur au niveau de la roue de secours. Dur. Ibi. Waouh. C'est trop beau le petit son. C'était un joli petit show. Non. Belle sortie de piste. Je trouve même dommage qu'au niveau, voilà, au niveau de télé, il n'y ait pas des plans plus larges. Bon, je conçois qu'il y ait du vide avec la prairie en contrebas, mais... Il y avait moyen de prendre du recul par rapport au... Oh, comment j'ai défoncé les barrières de l'étape. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai tout arraché. Oh là là. D'ailleurs, à regarder de plus près, le phare, il pendouille carrément dans le vide, là. J'ai tellement bien amoché l'avant de ma tuture. Il suffit d'un petit choc et mon phare, il se décroche. Les boules. Eh ben dis donc. Oh là là. Ah, il y a un Pierre Flaubert. C'est pas un prénom français ça, Pierre. Ils voulaient mettre Pierre, je pense. Mais pourquoi Pierre? C'est trop bizarre le prénom. Voilà, en dessous il y a Pierre. Au classement général. Oh le bordel. Elle est où l'autre Peugeot? L'autre Peugeot, c'est un... J'allais dire un Polonais. N'importe quoi. Un Finlandais. Veli Kivela. Qui roule en Peugeot. Oh la vache. Ah bah Peugeot va bien me payer symboliquement. Je suis leur meilleur pilote. Oh! J'ai pas la moitié des véhicules du jeu. Énorme. Oh là là. C'est magique. Touk. La suite. Eh, la classe! Presque 10 km sans accident. Ça, c'est une statistique, j'en suis fier. 10 km à plein gaz. Enfin, plein gaz. À bon rythme, mais pas d'accident. Trop bien. Hop, 80, droite 5 et gauche 5.
Ça a l'air similaire à... au rallye d'Allemagne. Où il y a une descente de colline en lacet. Et c'est sport. Doucement, 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 doucement. D'ailleurs, je me demande où c'est au Royaume-Uni, parce que on se croirait presque en Écosse, là. D'avoir des grandes prairies exposées au vent, comme ça. Alors, je pense pas qu'on soit en Écosse, là. Enfin, vous me direz, on le saura jamais. Si j'avais, entre guillemets, du temps à perdre, mais j'essaierai peut-être tout à l'heure, ce soir, quand je serai plus en direct, essayer de voir rapidement le ralenti et de repérer s'ils ont indiqué de véritables localisations géographiques. Et voir rapidement, vous savez, avec Google Street View, ce qu'il en est. Wow, c'est une étape de vitesse. Ah! Et en vachement exigeant en rallye automobile, il faudra que je vous le fasse, je sais pas comment. Parce que la dernière fois que je l'avais fait, j'avais la chance d'avoir encore mon volant pédalier. C'est l'autre grand nom du rallye automobile, Richard Burns. Richard Burns Rallye, il est aussi beau que redoutable. On se calme. Ah. Oh, on est loin de la Tamise là, c'est pas possible. Merde, non. Oh la vache. Oh, oh, oh. Comment que je suis arrivé en dérapage? Ouh, l'arrivée s'est jouée dans un mouchoir de poche parce que j'ai vu que j'étais momentanément potentiellement premier. Et j'ai fini quatrième. Donc je me demande si on n'a pas tous fini dans 2-3 secondes d'écart à 4. C'est vraiment une étape, tu traces quoi. C'est... Il y a de... entre grosses guillemets, lignes droites qui sont vachement longues. Mais non, non, ça, alors là, le tracé là, c'est tracé en plein air. Waouh! Ah, bon, bah, je peux relâcher la pression puisque je vais. On va aller tout doucement vers Minecraft. Après le visionnage du ralenti de Fou Furieux. Mais l'étape là, on doit être à 140 bornes de moyenne, je pense. J'ai pas regardé mon compteur, mais je devais pas être loin des 180 km/h hein, en bout de ligne droite. 160 sur. C'était époustouflant le. Bon. Ah ouais. Les passages des grilles, là, des champs. T'as pas intérêt à être hors piste parce que lancer à cette vitesse-là, si tu te plantes, tu pulvérises et tu tues d'ailleurs littéralement, tu pulvérises ton bolide. Là, il n'y a plus d'une roue à arracher. Peugeot Talbot Sport. Zeti Babo. Mmh.
Ibi, c'est arrivé de fou. Oh, j'étais pas loin de mon record perso en 2,55. Oh, 2,22. Oh là 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 là. Oh oui! Message de FunFan 1992. Oui. Ce que tu connais, Mio Nemoto, c'est la chanteuse du jeu Shogo. Ah non, je connais pas Mio Nemoto. Ah non, là tu me l'apprends. Jamais entendu son nom. Non, ça me fait penser à ma chanteuse favorite qui faisait partie d'un groupe de filles, girls band, comme on dit en anglais. Elle faisait partie des Morning Musume, c'était Maki Goto. Maki Goto, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore pour tout. Son caractère, elle est mignonne comme tout. Elle est heureuse maman, d'ailleurs, depuis quelques années maintenant. Elle a vécu des choses dramatiques dans sa vie, enfin, il faut étudier sa biographie, mais... Et puis, sa voix. J'adore apprendre mon japonais en écoutant Maki. Ah, oh, je suis hypnotisé par sa voix. Je l'adore. Bref, pardon. Oublions. Où est passée ma moto? Oui, bien sûr. Qui dit bête? Vache. Et dans le classement du... Je suis confortablement installé avec 15 secondes d'avance. Waouh, la classe. Et il reste 3 étapes, je crois. Bah, je les ferai peut-être le week-end prochain. Ou peut-être les ferai-je demain, je sais pas. Oh, demain, je vais jouer à l'Afrique. Je vais jouer à... Far Cry 2. C'est bon, c'est sauvegardé. C'est sauvegardé. C'est bien. Bon, bah moi, je vais arrêter là, si c'est sauvegardé, là. Ou attends, peut-être réparation de dégâts, je sais plus. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Faut que je fasse des choix, là, par contre. Oula. Oula là. Ouais, la boîte de vitesse qui a morflé. Il me reste 5 minutes de réparation. Suspension, turbo... Ouais. Ah, je peux pas tout réparer. Ouais. Tension, tension. Non, 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 comme ça, ouais. Ah! Ouais. Bah voilà, quoi. Mais ouais, non, je ferai la... Ah! Je ferai la suite un autre week-end. C'était bien, c'était cool. Minecraft, Minecraft, Minecraft.